Alors, pourquoi tu pleures? Ça commence comme ceci. Au départ, ça peut prendre des tas de voix très très différentes. C'est l'histoire d'une petite fille qui a un nuage au-dessus de sa tête qui représente sa tristesse, en tout cas son émotion. Et c'est un dialogue poétique avec son chat. Cet album, c'est aussi l'occasion de discuter avec les enfants de ces grandes colères qui les traversent. C'est aussi la conscience qu'on n'est pas tout seul et qu'une colère a des répercussions et qu'arriver à mettre des mots dessus, ça peut nous faire grandir. Quand je me mets au travail, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis obligée d'étaler sur la table pour faire mon marché. En essayant dans mes découpes de ne pas être la première de classe. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous accueillir dans mon atelier et je vous dis à bientôt, peut-être pour d'autres albums. Ciao !